petit blond d'oxygéné. Moulé dans ton maillot serré. Avec tes cheveux détachés. Et ton sourire bifluoré. Cet été, tu vas te charger. De tes capacités pourvu qu'ils s'aient tous remarqués. Alors, eh bien le bonjour, bon, j'ai des placards sous les yeux, c'est normal, hein, j'ai très mal dormi cette nuit. C'est chaud, on dirait Bonnie Tyler le matin au réveil, tu sais. Bref, on va tester une petite nouvelle ROM ô combien sympathique, et je l'espère. Alors je vais découvrir avec vous, bon là il n'y a personne, on va découvrir ensemble un petit jeu qui a été fait par des fans et qui s'appelle The Legend of Zelda The Missing Link, qui est sur Nintendo, enfin développé à partir de la ROM d'Ocarina of Time sur Nintendo 64.
Donc ce sera a priori une suite à Ocarina of Time. Et voilà, graphiquement, ce sera dans la même veine, hein, ce sera les mêmes sprites, etc. Ils ont réutilisé le même délire. Donc voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai réussi à l'avoir avant même que Nintendo, parce que Nintendo, on sait comment ils sont sur Internet, avant même qu'ils strike le truc. Hey yo, Hydwill, comment on va? Alors là, c'est de la totale découverte, meuf. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, putain, je sais pas si. Ouais, on les voit, les cernes. C'est chaud en fait. J'ai trop mal dormi de ouf. C'est, on dirait la gueule des gens, tu sais, café clope au petit déjeuner, tu vois. Enfin. C'est chaud. Oh! Putain de merde! Voilà, j'étais dans le cul. En plus, je me suis fait réveiller par quelqu'un qui a toqué à ma porte, sauf que j'étais en slibard, tu vois, donc le temps. Je me suis dit le temps de m'habiller et tout ça, pff, voilà. Et ça me stresse parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est un recommandé à la con, tu vois, genre j'ai une amende ou je sais pas quoi. Et je n'ai pas mis, enfin, je n'ai pas de truc dans ma boîte aux lettres, sauf que le facteur, j'ai l'impression qu'il met rien dans la boîte aux lettres en fait, même les avis de passage, donc. T'as pas dormi? Ah merde! Ah bah sinon ça va, écoute, un peu stressé à cause du truc là, je sais pas. À chaque fois, je me dis, tu sais, c'est le facteur, c'est un recommandé, c'est des emmerdes, tu vois. Pas forcément, ça se trouve, c'est un voisin qui a besoin de quelque chose, j'en sais rien, mais. J'ai appelé un de mes voisins, et bon, c'était pas lui. Bon, tant pis. Alors, on va l'appeler Bitovent comme d'habitude. Hein, Yes. Ah, le retour de Beethoven dans les plaines d'Hyrule. Peut-être, hein. Après, ça se trouve, c'est même pas si faux, c'est même pas dans Hyrule. On va voir comment c'est foutu. Alors, c'est en anglais, il n'y a pas la version française, ça fait chier, tu vois. Enfin, comme d'habitude, hein, l'hégémonie de la superpuissance mondiale américaine a fait son taf. Hein. Bon, c'est mieux qu'en japonais. Ah putain, il n'y avait qu'un garçon qui vivait sa vie paisible. Hein? Ok, ouais, bon, là ça résume Ocarina of Time. Il y a une fée qui était venue lui dire: Ah, fais gaffe! Retuez l'élu et il y a le grand méchant Ganon. Ganon! qui, voilà. Qui va faire du mal. Enfin, ça parlait pas de Ganon, mais en gros, voilà. C'était l'ennemi de Ocarina of Time. Ah, c'est stylé quand même! Ils ont bien travaillé leur truc, les gars! Hyrule était sauvé, Link s'est interposé face à Ganon. Et il a gagné. La princesse l'a renvoyé dans le temps pour qu'il puisse revivre sa vie comme c'était, etc. Et voilà, où est partie Navy en fait à la fin? Parce qu'à la fin tu la vois s'envoler dans la cathédrale du Temple du Temps, et elle se barre vers la fenêtre en fait, donc elle s'en va. Et je comprends pas pourquoi elle laisse Link en fait. Pourquoi elle ne reste pas avec lui? Ça brise un peu le cœur d'un sens, tu vois. Même si Navy elle est chiante. Ah, c'est peut-être ma future femme, ouais. En mode, hey, salut, ça te dirait que je te suce la bite? Et moi j'ouvre la porte, je fais, bah vas-y, hein, je suis genre au calbar, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Hop, je baisse mon calbar. Donc bien évidemment, alors elle ferait d'abord un bond d'effroi en arrière en voyant l'anaconda normand, bien évidemment. Je lui ferai la technique du bambouf qui frétille pour l'hypnotiser un petit peu et ça ira mieux. Et oui, ça aurait pu être ça, effectivement. On ne sait pas. Hein, alors, la forêt Kokiri a changé quand même. Hein. Ouais, c'est quoi ces pieds à Link là? On dirait qu'il a des tout petits pieds. On dirait qu'il est difforme, Bitovent. On dirait qu'ils lui ont fait un tout petit buste, enfin un grand buste et des toutes petites jambes, enfin des jambes toutes fines. J'ai pas. Et pourtant, j'y joue souvent à Ocarina of Time, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même sprite. Alors pourquoi elle a changé autant la forêt Kokiri? Ça aussi que je me demande, tu vois. Ok, donc au niveau des contrôles, bon, là il y a eu un petit bug quand même à un moment donné.
On va voir ce que ça vaut, mais ouais, pourquoi pas. Ah ouais, ma future femme, je crois que je commence à... Sinon, à abandonner l'idée, en fait, à Edwill. Hein. Vraiment. Je pense que... Voilà. C'est, ça sert à rien, tu sais, que je me pignole sur un truc qui n'arrivera jamais. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est très bizarre, cette histoire. C'est très, très, très bizarre. Ah, j'ai ma voix du matin, là. Putain. Ouais, la voix du matin. Je m'appelle Renaud. Toujours debout. Toujours la banane. Alors. Ma voix du matin ou ma voix du soir très fatiguée en fait. Quand j'ai trop gueulé et tout ça, en général, c'est un peu la même quoi. Faut juste pas chercher, mais ça c'est une excuse de sac. Et je l'ai dit, je le redirai toujours. C'est. Ça arrivera quand tu t'y attendras pas. Je m'y suis pas attendu pendant 4 ans. C'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, à un moment donné, voilà. Je vais pas te mentir, à chaque fois que j'ai eu une meuf, j'ai charbonné. Hein. Il y a que une ou deux fois où c'est arrivé par hasard. Tu sais, mais sinon, non, faut charbonner en fait. Une meuf, elle va pas s'intéresser à toi tout pendant que tu t'es pas intéressé à elle et que t'as pas fait en sorte qu'elle s'intéresse à toi, tu sais. Faut lui montrer que tu es digne d'intérêt, tu vois. Ah bon, après, c'est que mon avis, moi, c'est sur mon expérience passée, tu vois. Après, oui, j'imagine que les mecs beaux gosses, tout ça, ah eux, ils cherchent pas, ils trouvent, hein, y a pas de souci. Hein. T'as les meufs qui mouillent leurs pantalons dès qu'elles les croisent dans la rue. À un moment donné, il y en a bien une qui va prendre ses couilles et qui va aller le voir et lui dire ça te dirait qu'on aille boire un verre ensemble? Et le mec va faire oui. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, le menu, c'est très spartiate. Hein. Ah. Oh là. Ce Link Eco Plus, là. C'est quoi, ça? Hein? Kokiri Boots. Le bouclier du héros. C'est même pas le bouclier ilien, c'est le bouclier du héros. D'accord. Comme Mercurochrome, le pansement des héros, là c'est bouclier lien, le bouclier des héros. Et il te le passe 10 fois comme ça. Alors, welcome back. Ils auraient pu éviter parce que de base, il est pas censé avoir quitté la forêt en fait. Ah si, en fait. Enfin, je sais pas, je crois qu'elle le renvoie dans le passé avant même qu'il soit parti en fait. Parce qu'il va revenir dans le passé, mais sans. Ah bah non, attends, non, il est dans le temple du temps à la fin d'Ocarina of Time. J'ai rien dit. Vous voulez passer une vie? Bah oui, mais en fait, elle s'est barrée, cette pute. Tu vois. Encore une qui voulait profiter de ma fame. Et une fois que je suis devenu. Enfin, une fois qu'après j'allais plus être célèbre, et bah elle s'est barrée, cette pute. Mais pourquoi? Comment je peux atteindre ça là? C'est beaucoup trop loin, les gars. Alors, il y a des grosses cruches là. Non, ce ne sont pas des féministes. Lol. Allez. Bon, ça va me valoir un ban de la part de Twitch, ça, non? Ah non, on peut pas les casser. Très bien. J'ai rien contre les féministes en vrai. Hein. Enfin, les féministes, celles qui ne pourrissent pas le vrai mouvement féministe. Parce qu'il y en a, putain, bah, à cause d'elles, le mouvement est totalement décrédibilisé. Et celles-là, par contre, je les aime pas, effectivement. Mais en vrai, je n'ai rien contre les féministes. Hein. Au contraire, hein, je soutiens le fait que tout le monde devrait être égaux. Égal. Bref, les gens devraient être égaux. Ouais. Tu es déjà de retour? Tu devrais aller voir Saria. Je suis sûr que tu lui manques beaucoup. Ah, ok, sa porte magique s'ouvre seulement à ceux qui connaissent sa chanson. D'accord, ok, donc c'est la porte en haut, là, dégueulasse, c'était chez Saria. Très bien. Alors, ce qui est bien quand même, c'est que Link, il est parti de la forêt Kokiri. Alors, de base, il est parti, mais pas longtemps, hein, tu sais. Et là, il revient, les gars. Et ben, ils ont tout changé, les gars. C'est-à-dire que le village Kokiri, qui était quand même assez grand, et ça, là, il y a 3 maisons dedans. Yes. Ils auraient dû garder le...
le truc, enfin la forêt Kokiri comme elle était, ça n'a pas de sens en fait. Vu que ça se passe juste après. Hein. Yeah. Est-ce que je l'ai prise ou pas? Ah putain, j'ai le son d'Epona aussi. Ah attends, s'il y a Epona, ça va être cool. Mais c'est cool quand même que des fans proposent une suite. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment sympa en fait. Ah non, mais les musiques de Zelda sont tellement cool. Pourquoi tu me parles pas toi? Putain, Snowbinard. Ça c'est vraiment, ça c'est 2020 les gars. La meuf elle te parle pas, tu sais. Enfin c'est une meuf de 2020. Attention, c'est pas une meuf qui est née en 2020, mais c'est une, enfin oui. Bref, c'est une meuf des années 2020 quoi. Bien évidemment. Alors, comment je vous fais? Ah oui, bah faut que je me tape tout le grand tour. Mais non, c'est les gens de Zelda, c'est vraiment... Ocarina of Time, c'est mon Zelda préféré pour l'instant. Mais il est vraiment super bien, Ocarina of Time. Après, je sais pas si c'est ton style de jeu, Aidwill, hein, mais vraiment, il vaut le coup. Merde. Écoute avec attention, la forêt est dans un grave danger. Sans la protection du grand arbre Mojo. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. D'accord, donc il y a des démons qui capturent les fées qui vont arriver. Ok, donc en gros, faut que je sauve le royaume d'Hyrule encore une fois, que je protège la forêt et les fées, hein, bien évidemment. Ah, si t'aimes bien, d'accord. The Soul Shard, Kokiri Sword. ok, donc avec une spin attack. Oh. Ou sinon attaquer avec full life to fire a blade beam. D'accord, donc il y aura un laser. Alors une voix émane dedans le coffre. Enfin, émanant du coffre, t'as demandé de la prendre. Pas d'importance, Saria. Probably won't mind. If you go it for... Ouais, Saria s'en fichera, on n'aura rien à faire si tu la prends pendant un moment. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Enfin, où est-ce qu'elle est? Une douche, je pourrais bien certainement après. Ok, ça marche, Aïeul. Ça marche. Et bah, bonne douche, à toi. Alors. Je peux pas l'utiliser? Yes, je sauvegarde, bien évidemment. Ah! Ok. Bon là il s'est mis à pleuvoir. Je pense que ça veut dire que il y a les démons là qui pourraient pas tarder à arriver. Du moins ça semble raccord en soi. Alors merde, je vais pas voir où est-ce que je dois aller. Parce qu'il y a deux sorties alors. Laquelle est la bonne? On verra ça très vite. Merde, ouais, c'est bon, on peut grimper par là. Ah, c'est Mido. Je déteste admettre ça, Bitovan, mais je peux pas quitter la forêt. Nous les coquillons, on veut pas survivre en dehors de la forêt.
Si tu peux couper cet arbre, enfin abattre cet arbre, plutôt, tu ferais mieux de chasser ce démon, être le héros qu'ils disent que tu es. C'est juste parce que j'ai perdu ma fée. Alors attends, but just because I also, mais juste parce que j'ai aussi perdu ma fée, je vais pas dire que il y aura off the hook. Monsieur, j'ai pas de fée. Et j'admets que j'ai été trop rude avec toi. Ça compte dans mes, enfin, comme mes excuses, ok. Attaque. Ah ok, d'accord. Dégommer. Mais merde, par contre là c'est chaud en fait. Parce que par rapport à la fréquence où ils envoient, etc., ça va être compliqué en fait. Je suis mauvais. Ok. J'espère que Nintendo vont pas lancer une vague de ban sur Twitch pour les gens qui streameraient ce jeu, ce qui ressemble beaucoup à Nintendo hein, d'ailleurs. Ils sont très décevants sur ce point de vue là, mais bon, on verra. On dirait qu'ils ont mis les sprites n'importe comment. Que j'ai fait l'écran de jeu est up et là dessus j'ai besoin du certificat de naissance de ma cocotte. Découp grove. Même lui, il a pas passé, ok. Toi non plus, d'accord. Qu'il y a peut-être le champ de Saria à faire ou une connerie comme ça. Bon. La gueule toi, putain, vas-y. Là, m'a cassé les couilles.
Oh, nique sa mère. Pardon. Au moins, on est direct dans l'action en fait dans ce jeu. La musique est cool. Très triste par contre. On retourne dans une ambiance très glauque à la Majora's Mask. Et Dieu seul sait que j'étais pas trop fan. On voit pas bon. De la glauquitude, on va dire, de Majora's Mask. J'ai pas le champ du temps. Tu veux aller au-delà d'ici. Bonne chance, tu n'iras nulle part tout pendant que je serai en train de te regarder. D'accord, c'est bon, je l'ai. Je vois ce qu'il faut faire. Attends, par contre, y a rien, on est d'accord. Voilà. Et le numéro 1. Number, hit like. 23 et le numéro 1. Brothers. Je suis au bon chou.
toi. Waouh. Allez, petite clé. Les fameuses. Le bombe chou. Alors, je sais pas ce que c'est qu'une bombe chou. Et merde, nique ta mère, putain, enculé. Que t'es mort là. Le jour, le David. Le David de ses morts. Alors. Je dis toujours à droite, les gars. Toujours à droite. Number one. 23. Oh mais dis ta mère, pardon, mais là. Et numéro 1, pas 2, 3 et 1 en fait. Tu es con. Moncton Valley. What? On va en profiter pour s'enrichir un peu, on sait pas trop ce qu'il y a à la clé, mais voilà, la vache. Ah merde, bon, pas grave. Ok. Ah cool, j'ai une bourse avec plus que 100 rubis, ça c'est cool. Par contre, est-ce que les items seront pas chers pour le coup?
Et merci Paulin pour le host. Merci beaucoup. Et bienvenue sur ce stream de la défaite. Ça va Paulin? Merde, mais non, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, bah en fait, je m'y attendais pas. Voilà ce que je fais. Bah écoute, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que là, on voit rien devant. Ah, peut-être sauter dans le gros truc, là, le gros vase, bizarre, chelou. Ah, je pense que c'est ça. Non, allez. Voilà. Ah, j'ai été maintenu par la drasse. Incroyable. D'accord. Ah putain, les deux sortes de dodongo, enfin des trucs chelous. Non. 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 Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est pas des sortes de dodongo d'ailleurs, c'est des dodongo. Y a pas y a rien à dire d'autre, hein. Ce sont des dodongo. Ok, donc les rochers, ça sert à rien. En fait, là, je me suis pris un shot pour rien, et maintenant, ça me fait chier dans mon attaque laser. Pas vraiment un laser, a priori. Hein. Je crois qu'il y avait le hibou là où je me disais non, il est encore là, lui. Faut allumer ça? Merde, bah, je peux pas. Je n'ai pas de quoi. Ah merde, putain de merde. Alors est-ce que le feu est pas un peu buggé et qu'on le voit pas? On va voir ça tout de suite. Non. Non, il n'y a pas de bug. Déjà ça c'est bien, tu vois. Ah non, ça marche pas comme ça. Bah merde. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller, nom de Dieu? Nom de Dieu! Et puis là, si je passe, bah je meurs en fait. Donc non, c'est forcément, il y a forcément un truc à faire ici. Mais quoi? Alors ça, je ne saurais dire. Regarde bien, regarde autour de toi. Que se passe-t-il autour? Et ben, de la merde. Voilà ce qui se passe, il n'y a rien en fait. Il n'y a que dalle! Là, ça, je crois que c'est une sorte de silex. Genre, tu tapes dessus, ça s'enflamme. Mais non. Ah non, j'ai forcément dû rater quelque chose. Hein. Il manque un truc. Il manque un truc, les gars. Pardon. Hmm?
Merde quoi. Voilà. Et ben ça veut dire que je suis bloqué, c'est ça? Non, mais non, me dis pas qu'ils ont fait un. Non, ils auraient pas fait les enculés à ce point-là, il y a forcément un truc à faire, c'est juste que je l'ai pas vu. Parce que sinon, là, ce sera abusé. Hein. C'est-à-dire que ça impliquerait de recommencer le jeu? Non. Mais non. Je sais ce qu'il faut faire. C'est juste que je suis con en fait, mais je suis très bête en soi. Voilà. Va se passer, ne t'inquiète pas. Oh mais non, mais sérieusement. Sérieusement. Sérieusement sérieux. Non mais. Une blague. Est-ce que il faut que je sois dessus, c'est ça? Voilà. Allez, Link, allez, fais pas la mauvaise tête. Et... Bravo, bravo Link. Oups, t'as dû faire ça. Prends un timer. Ah non. Incroyable. Pas de timer, dis donc. Comment est-ce possible? Eh, hey, des Gerudo et tout. Putain. Alors, je sens que là, ça va être complexe. Ah merde. D'accord. J'ai pas de fiole. Ils sont immortels, ces bâtards. Il y a un Schumpeter. Il y a un Schumpeter. Thank you.
Oh là, il y a un choupetteur en fait ici. Il y a des choupetteurs. Intéressant. Donc il me faut des bombes là. Là où j'arrive. Ah voilà. C'est trop loin. Non, sérieusement, je reviens de là. Non. Non. Le piège à con quand même, hein, ce qui vient de se passer là, c'est un peu ridicule. Alors. Alors, qu'est-ce que ça peut indiquer les trucs rouges alors, oui, mais j'arrive pas trop à me rendre compte, j'ai pas une vue du dessus en fait moi les gars. Ça aurait été mieux une flèche en fait, une croix. Ça indique dans quel sens tu regardes. Mais bon. Oh, la musique pas du tout adaptée, non. Ah, sérieux? C'est de la merde. Enfin, je m'attendais au moins à un truc qui me fasse avancer dans l'histoire en fait. Pas à ça. Alors. J'ai envie de pisser. Donc là, y'a rien. Ce serait ça. Et non. Voilà. Ce serait donc ça, il y aurait la maison. Pardon. Donc derrière, sur la gauche, il devrait y avoir un truc. Thank you.
serait quand même cool. Hein. Oh bah les couilles. Pardon. D'accord. Ramener le silence dans le sanctuaire. D'accord. Esprit. P-Hat. Alors j'en ai pas encore rencontré des P-Hat. Faut se les faire à l'épée bouclier, très bien. D'accord. Enfin, Nelly, elle aurait pas pu soigner en fait. D'accord, donc l'effet par contre qu'ont des pouvoirs un peu plus cool, ces faits-là cependant donc, ont une vie tragique. Donc dès qu'elles ont fait leur dessin, enfin accompli leur, ce qu'elles devaient faire, elles se retournent à la poussière. D'accord. Bien. Transformer une souris en bombe. Qu'un Stalfos, c'est quoi déjà un Stalfos? Qui est un endroit qui peut, enfin, qui peut transformer un humain en Stalfos. Oh.
C'est-à-dire que le Stalfo, c'est pas les effrois finalement. On s'en fout. Voilà, qu'est-ce que j'ai déclenché tout à l'heure? C'était ça du coup que j'ai déclenché? Ouais, c'est ça. Ce qui ne fait pas avancer des masses. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas de. Non. Et si en fait, ça peut être que. Putain, j'en sais rien. Et merde, chier. Quatorze heures, merde, il va falloir que je coupe incessamment sous peu. Hop, voilà. Moi, je vous laisse du coup, je vous fais des bisous. Peut-être à ce soir, mais c'est pas sûr. Bisous.